يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. C'est lui qui Allah guidé puis est seul pas capable égaré, et c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala li laisse li égaré puis est seul pas capable guide li. Alors ça qui chose là li donne un résultat qui dans akhirat personne parmi nous n'est pas pour capable servir comme excuse, n'importe qui excuse qui existait, et il finit mentionné dans le Coran une excuse pour dire qu'il ne peut pas être guidé à cause X, Y, Z, à cause raison N, D, 3. Pas pour moi aussi. Alors, nous devons comprendre bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre un rapport direct entre lui et son serviteur. Le hadith Qudsi trouve dans Sahih Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire « Ya ibadi, ô mon serviteur, kullukum dallun illa man hadaytu » Je tous dans l'égarement, excepté c'est lui qui moi m'a fait guider. Fastahdouni ahdikum. Demande-moi guidance, moi nous autres guidance. Alors, pour nous, pour dans sa djoumana, première leçon et point qui nous pour réviser, qui arrive dans la case et nous comprend, et nous fait nos familles comprendre, qui jour qu'yama, pas pour n'a aucune excuse, aucune raison, qu'un insan pour servir. Qu'il est musulman ou non musulman pour lui dire, il est dans l'égarement parce qu'il est XY. Il n'est pas pour moi aussi. Et dans le Coran, il détaille, ça m'a une excuse qui dit bon pour ces là. C'est ce qu'a même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il expliquait dans Sourah Ibrahim alayhi salam, qui dit bon pour dire, shaitan ça. Shaitan pour dire non pas moi ça. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا لي ولوموا أنفسكم. مو بابو يسبيك سا سوجي لا مي مو بيجي كي داسا آيات لا شيطان بوجي فلا تلوموني با ميت تولو مو با ميت بلام لو مو ولوموا أنفسكم ميت بلام لا لي بيزين لوزو. إذا حديث رسول صلى الله عليه وسلم جيك الله سبحانه وتعالى فين جي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم كي سكي زو بي فيه الدنيا سي بو زوت سا الله بي غارد لي لابا إن ريكورد تو ثم أوفيها لكم زو بو إت ريكومبانسي دو زوت بان أكشن فمن وجد خيرا زو قيامة كو ريسيفوا ليف لي تروفي تو بون فليحمد الله كي دي ريميرسي الله سبحانه وتعالى ومن وجد غير ذلك c'est lui qui trouve dans ce livre une langue rouge dans ce papier quand il corrige la langue rouge فلا يلومن إلا نفسه qui dit pas mettre blâme aux personnes excepté lui même. Alors nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa khutbala Allahumma hadina fi man hadait, et sa dua là c'est parmi les dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam type lui plus beaucoup. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله ميا باول سي باول الله سبحانه وتعالى اذا رمضان نفين في افيك قران امه محمد صلى الله عليه وسلم دو لو مون dans le monde, il vient vivre avec le Coran dans le mois de Ramadan. Et quand il vit avec le Coran, ça qu'il y a sur l'expérience personnelle qu'il a vécu avec ce Coran dans Ramadan. Quelqu'un il trouve un ayat Coran qui jamais n'est pas y penser, un autre il a un problème, il a trouvé un ayat Coran, un autre il peut avoir une question, il trouve un ayat Coran, un autre il pas écoute Coran depuis longtemps, il écoute Coran complète, un autre, chacun parmi nous il vit sur l'expérience personnelle avec Coran. Mais ce qui est important, c'est qu'après Ramadan, ça l'expérience, ça il continuer.
Allah subhanahu wa ta'ala fin jia da surah Baqara, je n'ai écouté plusieurs fois shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Shahru ramadan, dans le mois de ramadan, unzila fihi Qur'an in descend dans sa moelle, hudan lin-nas, comme une guidance pour insan. Li n'a pas possible qu'un musulman li n'a peine so wird yaumi, li peine so routine daily, tous les jours avec Qur'an. Pas possible qu'un musulman dans 2022 que challenge le nous iman à l'intérieur communauté et à l'extérieur communauté in multiplié qui m'a dit dire challenge le iman, ça veut dire n'importe qui n'a dit qu'il y a iman. Challenge le iman veut dire n'importe qui l'est, nous passe d'un test, nous peut dire iman. Un simple exemple, par exemple, mon papa est mort, alors l'état mon frère peut dire nous avons tel alim, nous avons des apportages comme ça, tu fais là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui te peut dire, ce qui Allah peut dire, non, je ne suis pas d'accord, moi, je suis pareil que mon gosse. Ça dit que il fait une action qui fait lui. Nous ne pouvons pas dire qu'il est un kafir, mais sa action, c'est une action qui fait lui, perdit son iman. Alors, perdit iman, ça à l'intérieur, à l'extérieur, avec tout ça, ben challenge de social media, avec l'espace ouvert depuis le ciel, c'est-à-dire à travers Internet, ça veut dire fitna là, il rentre dans la case, quand on ferme la porte, on met la clé aussi, fitna là, il est à l'intérieur de la case. Dans sa situation de fitna sur iman, et une fitna, une qualité fitna, appelle ça fitna shubuhat. Ça veut dire, un zénès, par exemple, il y a un sexe addict, ou bien un djimoun, il drogué, ou bien un djimoun, il boit l'alcool, ou bien. Ça, c'est pas un péché qui n'est pas fait, il perd son iman, il est capable de perdre son iman. Mais seulement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit fitna ka qita' al-layl al-mudhlim, une qualité fitna qui est venue par exemple à marée noire. L'idée يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا. L'élevé grand matin avec iman, dans l'après-midi, il perdit son iman. Ben, ulama, je dis, qui qualité sa Tesla, il pour sévère, qui grand matin, il pour un iman, dans l'après-midi, il perdit son iman, sans montrer deux petites choses. Vitesse qui nous perdit iman et dureté qui est là dans sa Tesla et sa challenge de nous iman. Alors, dans ce scénario qui nous peut vivre, dans 2022, si un musulman, il n'y a pas encore un daily contact avec le Coran, qui est un guide qui Allah dit à Shahru Ramadan, Allah dit, on zila fihi le Coran, Huda, comme un guide, l'innas. Nous nous voulons dire, est-ce qu'il y a un mot, besoin de lire Surah Yassin, que Surah Tib, ça pas besoin de lire. Est-ce qu'il y a un Kabarastan, besoin de lire le Coran, pas besoin de lire le Coran. Mais le Coran n'est pas descendu pour lire ni le mot, ni contre Mayat. Je pense que masla lire le Coran contre Mayat, pas besoin de dire, ils ont dit, imam, une cause, lire le Coran, quand je ne peux pas dire, je ne peux dire, le Coran pas descendre pour sa raison. Il n'y a pas de dire ça. Ce qui nous dit, nous, Shahru Ramadan, dans le mois de Ramadan, on zila fihi le Coran, Huda, c'est un guide. Et je tout comprends, mon ancien l'automne, j'ai un guide là-dedans, quand vous avez une question, je ne peux pas dire. Je connais mon ancien machine, je ne peux pas dire guide. Je connais mon ancien affaire, j'ai un guide. Un insan sur la vie, j'ai un guide. Qui sorti contre Rabbul Alamin Jalla Jalla Tanzilu min Hakimin Hamid, qui sorti contre Al-Hakim. Al-Hakim veut dire le sage. Ça veut dire dans ce Coran là, Soban la loi sage. Si nous nous pouvons trouver un difficulté, par exemple, nous dire qu'une madame disait Medjilba, d'après la loi Allah, un parmi l'autre, ça. Pas juste ça l'autre, là qui nous donne le Coran, un parmi l'autre. Et je pourrais manquer qui? Un CR rentre dans Dine de Venezuela, un CR rentre dans Dine dans la Suisse, un CR rentre dans Dine de Portugal, un CR rentre dans Dine de Brésil. L'élimine de ce djilbab, même quand il rentre, une première journée de ce djilbab. Nous, nous, on peut convaincre nous, man CR, nous, man maman, pour mettre sa linge, si elle l'a décidé là. Parce que conviction, il dépend conviction. Soumettre devant Allah, basé sur un yakin qui nous est dans nos paroles, Allah. Soumettre devant Allah, solode, et que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam solode, les vins ont une conviction qui s'insanène, gagner, l'ont sa révélation divine, qui est dans le Coran et dans le Sunnah. Quand il comprend que c'est du bien pour l'insan, à ce moment-là, il soumet devant sa lode. Et il n'a pas de qualité un mu'min. Là, tout le monde qui dit, nous, c'est un mu'min, c'est un croyant qui est un iman. Il n'a pas de sa qualité qui est dans son propre choix. Quand Allah et son Rasoul décide de faire quelque chose. Il n'a pas de sa qualité. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ Ça a été Coran, puis Jésus, 33-36. À ce jour, si nous évaluons nos iman, nous évaluons nos familles sur iman, parce qu'il y a un nouveau mot, évaluer nos iman. Vous savez, nous, nous avons attendu qu'il y ait un mot à l'Allah, nous avons expecté qu'il y ait un 8 ou 10.
et le résultat sorti, je vais dire, je fais. Ou bien, je peux expecter, je peux faire, finalement, quand Allah m'a passé, ça n'a plus de dire. Parce que jamais Allah subhanahu wa ta'ala pas pour faire un monde vivre dans deux peurs. Une peur dans Dounia, cause pour le rendre compte quand Allah, quand l'infini vit sa peur là dans Dounia. Dans toutes ses actions, ses paroles, ses regards, ses tendances, ses l'argent, ses familles, ses frères, ses sœurs, quand il vit avec sa peur, Allah, là, pour le rendre compte quand Allah, Zoukhiyama, il va pas vivre dans sa peur là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il finit de nous un Coran, ça c'est déjà un message à Zoudi, qui sa Coran a divisé et n'a pas dans la vie d'un musulman. Jamais un musulman, ce qui me connaît moi, comme on peut dire jamais, qui n'a pas une exceptional case, qui par exemple, il prend le bureau sans brosser les dents. Existe-t-il hein? N'importe quelle situation qui est arrivée. Il lève tôt, il lève malade, il ne lève pas pour brosser les dents, il prend le conseil. Ou ça, il prend son pyjama, il prend le. Pas existé. Qui fait? Parce qu'il y a une activité qui rentre dans nous la vie de tous les jours, qui n'est pas capable sans pas ça. Mais un dimon qui a iman, il y a une action et une parole qui rentre dans la vie, qui n'est pas qu'un droit de vivre sans ça de 24 heures, il n'est pas capable. Par exemple, ce Saint François là. Par exemple, ce lecture Coran. Et sa Coran là, c'est la lumière, sa Coran là, c'est guide de nos chemins. Mais définitivement, d'après At-Tabari, il y a quatre catégories à être Coran. Une catégorie, c'est Allah connaît, Alif Lam Mim. Une catégorie, quand nous visons tafsir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. C'est lui qui détourne avec mon rappel, Allah peut dire. Et la vie difficile, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la vie difficile est égale à عَذَابُ الْقَبْرِ. Lili fait sa tafsir là. Pourtant, en arabe, peut dire la vie difficile. Mais tafsir, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il a fait. Ça, la vie difficile là, c'est عَذَابُ الْقَبْرِ. Et là, la même qui dit Inna al-qabra awwalu manazil al-akhira, qui qabar c'est premier l'étape dans la vie de l'akhirat. Faman najamin, c'est lui qui passe l'examen. Fama ba'dahu aysar, c'est qui vient après, il faut beaucoup plus facile. Waman lam yanji, c'est lui qui fait son examen dans qabar. Waman ba'dahu ashad, c'est qui vient après, il faut beaucoup difficile. Alors, mon frère et mon soeur, ce Coran là, un miracle entre nos mains. Les plus grands miracles de bâton de Moussa alayhi salam, les plus grands miracles de Isa alayhi salam, et les plus grands miracles de tout man Anbiya alayhi salam, le Coran, il reste intact. Le Coran, ce message, il pourrait jusqu'à qu'il l'a décidé pour enlever ce Coran là. Alors, il entre nos mains, n'a pas raté sa l'occasion pour qu'il nous, et nous crée une relation avec ce Coran là tous les jours par lecture et compréhension. Mon frère, mon soeur. Dans ce Coran là, il y a aussi ayat Coran qui tout le monde comprend. Et c'est ça qui nous peut adresser avec mon frère. Parent de ayat Coran qui peut causer les règlements. Parce que ayat Coran à l'ahkam ou bien ahadith à l'ahkam veut dire ben ayat Coran qui a un règlement. Par exemple, thumma atimu siyam al-layl, ila al-layl. C'est une catastrophe qui nous vit dans Ramadan quand on explique. Nous, ensuite, nous gardons ça jusqu'à la nuit. Quand n'importe qui s'en est pour ayat Coran, il commence à expliquer. Tout le monde commence à expliquer ayat Coran. To the night, il est night, up to the night. Ça, c'est un ayat Coran qui a un règlement là-dedans. Et c'est un ulama, je travaille pour expliquer au mat concernant un ayat Coran qui a un règlement. Parce qu'il y a beaucoup d'implications. Nous ne prenons pas un ayat Coran, nous dissocier avec les autres ayat Coran. Et nous dissocier avec Sunna de nos Habib sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous implante une nouvelle conception de la communauté basée de dire parce qu'il y a le Coran, il descend. Non, il n'est pas possible. 1443 ban année, ban ulama, il explique ban ayat Coran ahkam. 1443 ban année, ban ulama peut expliquer communauté ban ayat Coran, quand là-dedans, il y a ban règlement, il y a ban juridiction là-dedans. Et qui de hadith pareil. Et jamais un ayat Coran pas explique lui. Isolément, ça veut dire en isolation, pour dire un règlement. Mais je prends tout ayat Coran et tout hadith qui cause sur le sujet, nous collecter ensemble, ensuite nous donner un règlement. Et ce qui est passé dans Ramadan, c'est non. Ben, du monde, il dissocie ayat Coran avec Sunna pour expliquer la communauté. Et la communauté, beaucoup du monde, il commence à poser question, à l'ise, on rentre dans confusion. Qui n'a pas besoin de rentrer, ça travaille chez Shaitan. Ben, frère, ben, soeur. Mais c'est moi, il y a sa catégorie ayat Coran qui est claire. Pour nous donner quelques exemples, qui nous tout comprend. L'Iali en traduction bangladesh, il paraît. L'Iali en traduction ourdou, il veut dire pareil. L'Iali par un celui qui d'abord est lui, il traduit, il paraît. L'Iali par celui qui est un déobandi, il traduit, il paraît. L'Iali par celui qui est un arabe, il traduit, il paraît. L'Iali par un celui qui est chinois, il traduit,
li pou dire même affaire et ça ban ayet Coran na ki musulman bisen donne plus beaucoup plus beaucoup l'étant plus beaucoup ça veut dire l'importance pour lui prendre ce guidon ensemble. L'exemple. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Celui qui obéit à Allah et son Rasoul, il fait une victoire énorme. Facile. Dans la case, nous chamons madame, peine l'autre ciné, peine l'autre qualité façon pour une victoire contre Allah. Parce qu'il faut expliquer. Bien souvent, moi, j'ai un frère, ma soeur, qui me dit, beaucoup de gens de nos jours, ils commencent à dire, tu connais faire, toi, moi, je peux dire avec Allah, je crie. Tu connais? Jugement Allah fait non, jugement Allah il finit expliqué dans le Coran et dans le Sunna. Il parle de lui caché pour son Qiyama, je dis Allah, moi tu crois pour évaluer le 1, 2, 3, les gars tu peux évaluer le 4, 5, 6. Il n'y a pas pour comme ça son Qiyama. Moi je m'appelle ça dans le management audit criteria, ça veut dire si il n'y a pas audit criteria, pas pour faire l'audit. Parce que quand un auditeur est venu pour lui faire un audit, il est accompagné, il nous a fait un audit criteria qui finit setup. Les là, ils peuvent évaluer sa compagnie. Lorsque l'audit criteria, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit cet audit criteria de Coran et de Sunna. Nous pas pour être jugés autre qui ce qui est dans le Coran et de Sunna. Oui, Allah surahma li wasi'a. Allah, il a envie de pardonner du monde, il pardonne celui qui lui voulait. Mais nous peut cause évaluation. Nous peut cause qu'un musulman, il vise à évaluer son iman. Il vise à évaluer qui sont les résultats qu'il peut expecter quand il quitte dunya, il faut aller. Pareil comme quand il dit sorti de la salle d'examen, HSI, SI, 6e, ou bien l'université, quand il sorti, moi je me rappelle, quand je suis sorti de la salle d'examen, je finis avec mon point parce que moi encore rappelle qui me répond, je prends un papier questionnaire, je réécris mon réponse, je vérifie dans le livre, je mets mon point. Parce que vous finissez, vous avez une idée. Vous pouvez 40 ou 50, vous pouvez 38, vous pouvez 42, mais il n'y a pas pour 50 ou 50, et il n'y a pas pour 20 ou 50. Parce qu'il fait, au moment du monde, il comprend l'évaluation basée sur quoi. À ce moment-là, il travaille là, et il évalue avec sa famille, parce qu'il y a un père de famille qui est là, responsable des autres madames et des autres enfants. Sa madame-là, quand il est habillé, peut sortir de responsable. Sa business-là, quand tu peux faire, si ton garçon peut faire un business haram, toi, en tant que papa, il dit pas encore moi, il est encore sous toi, tu es responsable. Allah, il y a eu l'alina amanou, qu'au anfusakum wa ahlikum nara, au ban kina iman, préserve zot, sauve zot, et zot, la famille, on dit fait l'enfer. Bien souvent, ou toi, un frère, il y a eu Allah. Pour dire hier sur la famille, mais retourne en arrière. Les contraires, ce madame, ce madame, nous avons perdu Allah, frère, là, retourne en arrière. Nous ne pouvons pas bouger à un team. Quand nous ne pouvons pas bouger à un team, la société n'est pas améliorée. La société n'est pas améliorée. Et si la société continue à dégénérer, dans 50 ans, nous pouvons être musulmans sans islam. Pas me dire, Jimmy, moi, je suis 50 ans, moi, je suis 75 ans, mais nous sommes capables de réfléchir à la société là. Dans la place qui nous lague entre musulmans et musulmans, nous visons assiser, faire un forum, nous mettre un challenge qui nous donne nos iman. Nous n'avons pas besoin d'être tracés comme je vous parle de parlement, même qui. Il n'y a pas de prouve non les escaliers. Il n'y a pas de prouve non les escaliers et il n'y a pas pour sens non aussi. Mais c'est moi, toi, musulman, avec ton Coran et ton Sunna, tu es bien capable d'instituer un système de social, un système social avec coopération. Mais c'est moi qui est arrivé. Le problème, c'est que quand nous causons communauté, la diamant là, ce nom, il dissolve, il pas paraît. Amir là, ce nom, pas paraît. Le diamant là, ce madame, pas paraît. Quand nous causons communauté sur plan, la langue qui est arrivée, quand il y a une interjonction entre l'avantage du communauté et l'avantage du groupe, maintenant, donne l'avantage du groupe, je crase l'avantage du communauté. Ça, c'est réalité. Alors, si un musulman ne prend pas conscience de sa djoumana, je ne prends pas conscience qui peut arriver, ça m'a 6 enfants, ça madame qui est en voie de famille, qui peut arriver dans 50 ans. Comment est-ce pour vivre ça l'islam là, qui casse là? Une bonne explication peut montrer tout l'infini. Déjà l'infini vini, il ne contrôle pas tout. Incroyable. Déjà il ne contrôle pas tout. Écoute ça. Déjà il ne contrôle pas tout. Nous pouvons faire déjà une omnipotent, nous pouvons faire une super power. Non, déjà pas super power. Un mormine faible qui lave le tout. Il peut trouver Dajjal, il peut connaître un kafir, il peut connaître un détracteur, parce qu'il y a là pour faire ça, il avec son iman, trouver un détracteur. Nous, aujourd'hui, nous devons faire une explication, tout qui est sur l'infini contrôlé. Bon, faites lien de l'article avant de venir, bah, là, il dit tout infini trop tard, par autre, comprend, nous finissons perdu la bataille. Mais hadith et Coran qui nous fait. Vous devez qu'on explique d'après scatologie. Vous pouvez gagner scatologie et vous pouvez prendre tout à l'aide Coran, vous faites les DVS d'après scatologie. Mais en vrai dire, Coran avec Sunna, il y a beaucoup de solutions. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de prendre sa Coran. Ben frère, bien sûr.
dans ce Coran là même, à l'adresse de ceux qui nous comprennent, on nous donne un exemple. Bon, moi, il y a beaucoup d'exemples. C'est lui qui obéit à Allah et son Rasoul, ni Paul Victor. C'est lui qui obéit à Allah et son Rasoul, désobéit à Allah et son Rasoul, il n'a pas dit chaud. Difficile. Un petit enfant, là, petit, dans 5e, 6e, difficile pour comprendre. Moi, obéir à Allah et son Rasoul, moi, pour donner victoire. Et non, moi, désobéir à Allah et son Rasoul. C'est-à-dire, ça, quelque chose là, moi, pas dire X, Alvé, Y, Zayon, pas dire ça. Parce que jamais personne n'est pas capable de juger le démon. Il n'est pas capable parce que quand toi tu as 10 actions d'obéissance, tu peux trop lire 5 actions d'obéissance, tu as 25 actions d'obéissance plus que toi. Parce que tu n'as pas compte sur la vie, tu n'as pas veillé 24 sur 24. Il est capable d'avoir une désobéissance qui est apparente, tu peux trouver cette désobéissance-là. Il y a une centaine d'actions qui n'est pas apparente dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de juger le démon. Même si c'est une désobéissance, mais nous sommes capables de conseiller ça du monde-là. Nous sommes capables de donner bon conseil avec chef, avec sa compassion pour tirer sa dimonina dans sa désobéissance qui est là. Dimé, il fait taouba, il vit dans l'obéissance, il mort dans le sida, il est devant Allah et il passe premier, il passe en cinquième temps. Je dis que je vous remercie, Allah li wa lakum, wa li sa'ir al muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru, innahu huwa ghafur. Alhamdulillah wahda wa sallallahu على من لا نبي بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ألو ده قرآن إنما آية قرآن كي نتو نينانو نو باب نو أبريسي إفتح تدبر إي كومبران إي ميت إن براتيك مو نزود دي ليكزامب إي ده حديث رسول صلى الله عليه وسلم جا كل أمتي يدخلون الجنة توما أمات بوغون ده جنة إلا من أبا إكسبتي سي لوي كي ريفيزي بوغون ده جنة سبحان الله. Boulla d'ak sans ce qu'on. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, manzen, écoute-moi là. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tout mon ummat pour rentrer dans la jannah. Tout. Tout. Illa man aba, excepté c'est lui qui refusait pour rentrer dans la jannah. Ben, le sahaba dit, ya Rasoul Allah, faman ya'ba, que c'est moi qui refusait pour rentrer dans la jannah. Réponse, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, man ata'ani dakhal al-jannah. C'est lui qui obéit à moi, il rentre dans la jannah. وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى C'est lui qui désobéit à moi. L'île refusée pour rentrer dans la jannah. Alors, je pourrais marquer depuis le commencement khutba, la responsabilité sur soi-même. La responsabilité, pas être loin de l'autre, et légalement, pas être loin de l'autre, excuse, travaille là, acceptez nos faiblesses, acceptez nos péchés, acceptez nos manquements, nous tous, l'orateur et ben écouteur, accepte pas quoi que comme on peut dire à Rasoul, il dit à mon Rasoul, hein. Parce que sa conception de croix, c'est lui qui aura été là. Il peine à pécher. C'est un qui fait Mandimoun, il vient affilié et je viens aveuglé. Même peut dire parole prophète, peut contre parole Allah, nous peut écouter, nous peut écouter, nous peut écouter. Mazine Arimanistaz, il aura été dire qui quand parole prophète, il contre parole Allah, zette parole prophète. En public. Dit, vous l'écoutez, ça veut dire, à ce stage, l'homme, il n'est plus dans son free will pour décider et il peut la capacité, son free will, il y a un virus. Il y a un virus pense aux affiliations aveuglées jusqu'à même une parole qui fait lui très grave dans la communauté islamique, dans le Coran et dans le Sunna, il accepte même. Alors, acceptez nos manquements, acceptez nos faiblesses, acceptez nos péchés et demande à Allah pardon et demande les dua pour les tirer nous de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une résolution qui nous prend quand chacun dit évaluer lui, s'il n'est pas qu'on évalue lui. Et dans le Coran, il servit le mot test. Nous tout comprenons ici qu'il veut dire test. Test licence, test lisier, c'est pas besoin de porte verte, test laboratoire, test CPE, test forme 5. Il y a un monde qui ne comprend qu'il y a un test. Mais imaginez qu'il y a un akhirat aussi, nos résultats là-bas, il faut passer devant un test qui nous fait dans la dunya. Et si nous le passons, c'est nous pour l'autre, Allah avec son rahmat, l'on nous. Et si arrivé, nous faisons l'examen. Fala yaloumanna nafsa Allah dit alif la mim. La surah Ankabud, Alif Lam Mim, Ahassib al-Nas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent penser, Ayyakoulou Amenna, qui me dit mon ami Iman, Wahum la yuftanoun, qui ne va pas pour un test. Elle a dit, Wallaqat fatanna al-Ladina min qablihim, nous faisons tester les gens qui avant eux. Et là, il y a un ambiya, alayhi salam. Fala ya'lamanna Allahu al-Ladina sadaqou, Wala ya'lamanna al-Karibin, de sa façon-là, il vient clair, qui s'en a qui véridique de son Iman. Et que c'est là qu'il y a un menteur. Et ça, il y a une affaire Nisbi, d'après pourcentage, qui considère mon véridique, il est capable 40% de mon véridique,
60% moi démenti moi-même ou bien 60% moi véridique et l'autre pourcentage ça li certaine pour nous qui nous connent nous évaluation moi quand moi cause avec eux sans moi en bête eux moi connent moi évaluation moi connent moi manquement moi connent moi faiblesse moi connent ban weakness qui moi là moi saute analyser ce qui veut faire moi connent moi ban la force moi connent ban place que capable une opportunité pour augmenter et moi connent ban danger qui là et basé là moi dois les diriger soit pour confier moi ban la force pour protéger mon la force, pour mon pas gagner takabour le mon la force et mon ban faiblesse, mon demande pardon, mon cesse l'aide et ban l'occasion de improvement kena, mon travail là, c'est clair pour comprendre, un route bat très facile, mais les demandes résolution de la part de mon frère, vine conscient. Demain pour marier, aux enfants pour gagner enfants dans 75 ans si vous pas travail, à ce là dur pour mettre une société plus vivable, pour pas mettre une société islamique. Bon, si tu mets la société islamique, l'élève l'autre qui a été explication, nous vous donne une autre. Là, c'est là local, il y a beaucoup de facilité qui nous encore et là, pour nous pratiquer, nous dire comment bien. Personne par force nous pour désobéir à Allah et désobéir à Rasoul 60, escalier. Mais sa femme est là, il besoin être remercié par un ummat. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala et maximise l'opportunité qui nous est là pour nous organiser nous-mêmes, pour nous faire taouba, nous retourner vers Allah, nous coopérer entre nous-mêmes, nous du bien et nos piétés, et Inch'Allah, ça veut dire qu'arrive ce lien dans 75 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, par nos doigts et nos efforts, les prothèses, nos générations futures. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الملة والدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وتلاواتنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم رد ضالنا إلى دينهم ردا جميلا اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ربنا أحينا على سنة نبيك وأمتنا على سنة نبيك واحشرنا تحت لواء نبيك وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى مع المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين